Alors, les Reapers, ce sont des éboueurs. C'est un nom qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire, c'est ça la particularité. Ça vient de ripper, s'accrocher. Et en fait, ce sont les éboueurs qui s'accrochent aux rampes des camions poubelles. Et c'est vrai que c'est pas encore un nom qui est reconnu, c'est un nom qui est utilisé dans les agences d'emploi, par exemple. Hein. On cherche Reaper, mais c'est pas un nom qui est dans le langage courant, c'est plutôt un nom dans le milieu professionnel des éboueurs. Voilà. Comment vous est venue l'idée de cette thématique ? Alors, je suis comme tout le monde, je descends mes poubelles régulièrement et j'ai croisé plusieurs fois des camions poubelles et un matin je me suis dit, c'est marrant, je n'ai pas regardé le visage des personnes qui ramassent mes poubelles. J'ai vu leurs mains, j'ai vu les poubelles et j'ai pas regardé, je me suis pas intéressée à leur visage. Et je me suis dit, c'est fou quand même parce qu'on les prend pour des objets quelque part, des objets qui nous débarrassent de nos déchets. Et Dieu sait si on a besoin d'être débarrassé de nos déchets. Et finalement, on s'intéresse pas du tout à eux. Et je suis partie de là, je commence à écrire la première partie donc qui se passe au présent avec les deux éboueurs. Et voilà, je voulais leur donner une chair, leur donner une histoire, leur donner un parcours, des aventures. Et après, le thème des déchets m'a interpellée et j'ai voulu creuser un peu à droite, à gauche, dans le futur, dans le passé, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut qualifier ce roman comme un roman écologique ? Peut-être pas directement. En tout cas, il n'y a pas de thèse écologique, il n'y a pas de message écologique, mais de toute façon, ça, on en revient à parler d'écologie, oui. Parce que il y a une partie qui se passe dans le futur, une sorte de partie d'anticipation, où on voit la Terre abandonnée, couverte de déchets, avec l'idée qu'on n'a pas réussi à sauver notre planète. Et c'est vrai que c'est pour permettre de mettre en valeur cette partie au présent, où on voit le travail des éboueurs, pour se dire, voilà, c'est maintenant que ça se joue, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter le pire ? Donc oui, il y a peut-être un message écologique par rapport à ça. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il est très bien documenté. Est-ce que vous avez fait comme les acteurs américains qui s'immergent dans un monde avant de tourner un film ? Alors, j'aurais adoré faire une tournée avec les Reapers. D'ailleurs, j'en ai rencontré depuis, je leur ai dit, voilà, si vous pouvez m'amener avec moi, je viens avec vous voir faire une vraie tournée de Reapers. Cela dit, j'ai pas pu le faire avant, mais je les ai beaucoup observés autant que je pouvais et j'ai essayé vraiment de me mettre dans leur peau en me disant voilà qu'est-ce qui se passe au quotidien, quelle est la pénibilité du travail, qu'est-ce qu'ils ont à manipuler, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à trouver, voilà toutes ces questions je me suis posées, puis j'ai fait des recherches, j'ai lu quelques articles à droite à gauche. Bon, maintenant je sais que je suis pas dans un roman réaliste, hein, c'est pas un roman témoignage, hein, voilà, c'est de la fiction, c'est romancé, mais pour en avoir discuté après avec des Reapers, voilà, eux, ils se retrouvent quand même dans le bouquin. Hein. Les découvertes qu'ils font dans les sacs poubelles sont absolument hallucinantes, quoi. Oui, alors ça, c'était un vrai jeu, c'était un vrai plaisir pour moi. Je me suis fait vraiment plaisir à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans un sac poubelle ? Alors, en partant de toutes les catégories, voilà, de l'argent à des lettres d'amour, on pourrait même trouver un cadavre, hein, si on pourrait même en faire un polar, mais non, je suis pas allée jusque-là quand même, mais jusqu'à mettre un bébé dans la poubelle, ça, c'est important. Ça, c'est une image clé. Mais oui, je crois que on se pose tous les jours la question qu'est-ce que je mets dans mon sac poubelle, et surtout qu'on nous demande maintenant de réfléchir à ce qu'on met dans nos sacs poubelles. Et du coup, ben ça donne tout un aspect mystérieux au contenu du sac poubelle qui vraiment est plaisant pour un romancier. Ça nous laisse l'imagination un champ complètement libre. Je vous remercie beaucoup. Bonne lecture.